pratique perturbation toute la nuit en raison de personnes sur les bancs. Je vous remercie. Je pensais de haut, j'allais être grave tranquille et tout, en fait il y a plein de gens. Enfin, en fait depuis tout à l'heure j'essaye de vlogger et il y a que des gens qui passent et ça me gêne en fait parce que je suis là, je fais trop ma vlogueuse alors que du coup là je suis sur les quais et je suis en train de manger un petit parce que en fait ce matin c'était chaotique. Donc déjà je vais vous expliquer pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Ça fait une semaine que je suis chez moi et je fais rien à part réviser, du coup j'étais au bout, du coup j'ai fait non je veux sortir. Donc là je suis venue sur Paris vite fait et là je déjeune parce que ce matin j'étais en retard, c'était la panique. Si je partais pas maintenant, j'allais jamais venir. Bah, du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'espère, si je l'ai mis. Bah, je vais aller au musée de l'Orangerie pour voir une exposition sur l'impressionnisme. Le problème, c'est que j'ai pris mon billet pour 13h30 et que là, il est 11h38. Donc j'ai pendant 2h, j'ai littéralement rien à faire. Mais c'est pas grave, on va trouver des choses à faire. Donc déjà, je vais finir ce truc. Et ensuite, je sais pas. Et franchement c'était grave cool, il y avait plein de livres et tout, mais j'en ai plein chez moi, du coup je pouvais rien acheter. Et là, bah, du coup je vais partir en musée de l'Orange. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. Ouais, je vous dis pas comment c'est grave, comment je fais que d'utiliser Google Maps. Genre encore je suis une touriste, enfin je suis pas une touriste mais genre pas trop quand même tu vois. Genre je suis me repérer mais là, vraiment j'ai eu les pranes. Et regardez comment c'est grave, moi je pensais que je venais lundi, il allait avoir personne. Pardon mais le jardin des Tuileries, il y a toute la France, il y a toute la France. Après c'est parce qu'il fait beau et tout hein. Après je râle. Moi aussi je suis là hein, mais bon quand même, quand même. Hey, du coup, là un petit récap, je suis enfin arrivée au musée de l'Orangerie. Enfin là je suis encore dans le jardin des Tuileries mais je vais rentrer dans pas longtemps. Et je suis assise parce que je suis grave KO. Anyway, du coup là je vais rentrer et aller voir l'expo sur l'impressionnisme et tout. Par contre il y a grave du monde. Ah oui, j'espère qu'il y aura des audio guides parce qu'on pouvait en prendre un sur internet mais j'ai zappé. Mais là je regrette parce que j'ai pas juste envie de regarder, j'ai envie de vraiment comprendre des œuvres et tout. Du coup j'espère qu'il y a des audio guides à prendre. Et voilà, du coup on se retrouve à l'intérieur. Hey, I think you're cute. Can I hit you up on Instagram? Cause you are the only thing I'm thinking of. And I can't stop it. I'm wishing you and I were talking. But even if we talked, I wouldn't know what I would say. My social awkwardness would just get in the way. And maybe I'm a little bit shy, but I'll try my best to compromise. Cause oh, I think I really like how you're always staring at your feet. Pictures only tell so much. So I'm thinking of a message to send you, but it's hard for me to tell if it's too long or not enough. But talking to you is all I wanted. I'm trying hard to take a
Ok, donc là je viens de finir de faire le tour de l'expo et franchement c'était grave incroyable, genre, j'ai trop aimé. Ça faisait grave plaisir de voir genre des œuvres comme bah, genre vous voyez genre en cours, des trucs comme ça, genre en art classique au collège. Mais là c'était genre vraiment magnifique. Du coup je recommande à 100%, surtout avec l'audio guide, parce que ouais, ça explique et tout et c'est vachement intéressant. Genre ça passe super vite. Genre ça fait 2 heures que je suis là, j'ai grave pas senti parce que je regarde du tout. Genre littéralement tout était beau, il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé. Du coup là il est 16h, 16h30 un truc comme ça. Et franchement je vais bientôt rentrer parce que je commence à être fatiguée. Mais c'est important, c'est que là j'ai trop la dalle. Donc là l'objectif ça va être de trouver à manger en fait. Et ensuite je pense que je vais rentrer parce que à la base je voulais faire peut-être des autres trucs. Mais là je suis vraiment fatiguée. Voilà les gars, pour le coup je suis ultra KO, j'en ai mangé, c'était pas ouf, mais du coup je pense que je vais